Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce plateau TV du salon Bipositive 2017, l'espace énergie renouvelable et territoire. Je suis Thomas Bleuzeville, journaliste spécialisé en énergie et en environnement, et je vais animer au nom d'Environnement Magazine ce plateau TV dédié à l'autoconsommation photovoltaïque. Un plateau TV intitulé Autoconsommation, quelle montée en puissance, point d'interrogation. L'autoconsommation, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. En un an, on peut dire que ça a clairement acquis un statut en France. L'administration, le gouvernement, même les gestionnaires de réseaux prennent position tour à tour, ont pris position pour accompagner. C'est une réalité qui est déjà bien concrète. Alors, réglementation, rentabilité, qualité, est-ce que l'essor de l'autoconsommation sera fulgurant et durable? C'est un sujet dont on va parler avec Richard Doyen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du syndicat professionnel Enerplan. Syndicat des professionnels du solaire. Des professionnels du solaire. Et avec Sylvia Lamati, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de la société SolarWatt France, qui expose sur le salon juste en face de nous. J'aperçois le stand. On le voit bien. Alors Richard Loyen, on va peut-être commencer par planter le décor. On parle d'autoconsommation. Qu'est-ce que ça veut dire l'autoconsommation? Pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus? Alors, l'autoconsommation, c'est produire pour consommer son électricité. Si on parle d'électricité, mais on peut dire la même chose pour la chaleur. Donc, sur l'électricité, la nouveauté, c'est qu'on a une ordonnance qui a été publiée à l'été dernier, ratifiée par le Parlement au mois de février, sortie au journal officiel le 27 février. Donc, voilà, on a un cadre réglementaire qui est venu, quelque part, introduire l'autoconsommation à la fois individuelle et collective au niveau du code de l'énergie. Donc ça, c'est quelque part, la France a fait un premier pas dans la décentralisation de son système électrique en rapprochant production et consommation avec le signal prix, finalement, c'est quelle est l'économie réalisée sur l'économie de kilowattheure qui ne sera pas achetée à mon électricien. Alors, on détaillera un peu tout à l'heure l'évolution de ce cadre réglementaire. Justement, est-ce que vous pouvez simplement nous brosser le portrait un peu sur le terrain aujourd'hui d'autoconsommation? Quel type de projet existe? Alors, on a l'autoconsommation individuelle dans le résidentiel avec vente de surplus. C'est quelque chose aujourd'hui qui se banalise. Je crois que ça doit être 2/3 des demandes de raccordement qui se font dans ce sens-là. Dans le photovoltaïque. Dans le photovoltaïque. Donc, on fait une installation solaire de quelques kilowatts sur son toit. On va consommer ce qui est produit, si on a trop, on va le vendre à EDF, obligation d'achat. Alors qu'avant, on était dans un schéma où on produisait pour vendre la totalité. De plus en plus, je pense que maintenant, c'est les 2/3 des nouvelles installations se font avec uniquement la vente de surplus. Donc ça, on a par ailleurs l'autoconsommation dite sans injection. Donc là, on va être sur des puissances beaucoup plus petites. Typiquement, en maison individuelle neuve, aujourd'hui, on installe des kits de 250 à 500 watts. Ça fait, on nourrit le talon de consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui est habituel. Voilà pour le domaine du résidentiel. Ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est de plus en plus de projets dans le tertiaire. Alors, à la fois avec des appels d'offres, en premier, il y a eu les appels à projets régionaux qui ont permis d'apporter quelques subventions pour inciter et passer à l'acte. Il y a l'appel à projet national qui a été publié pour 40 MW, qui a également, je pense, largement servi le tertiaire commercial, notamment, l'industrie également. Donc voilà, on a un cadre aujourd'hui où l'autoconsommation individuelle, donc on produit sur site de l'électricité solaire pour être consommée par le consommateur juste en dessous, à totale proximité. Ce qui va être nouveau et la vraie révolution qu'introduit l'ordonnance, c'est l'autoconsommation collective, que je préfère appeler partagée. Et donc là, on va pouvoir partager son électricité solaire entre voisins, donc à l'échelle d'un lotissement, pourquoi pas, d'un immeuble collectif, d'un quartier, dans la limite de 100 kW. Mais c'est une autre économie du circuit court de l'électron qui se met en place et peut-être de nouvelles relations sociales. Donc on le voit, la réglementation arrive, mais il se passe déjà beaucoup de choses. Et l'illustration avec les acteurs du secteur, c'est évidemment SolarWatt, SolarWatt France. Bonjour. Alors, SolarWatt, à l'origine, c'est une société allemande. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter en deux mots et nous dire depuis quand vous positionnez en Allemagne, mais surtout en France aussi, sur l'autoconsommation? Effectivement, SolarWatt, c'est un groupe allemand qui était créé à Dresden, dans l'Allemagne de l'Est, en 1993.
et qui a aujourd'hui environ 300 salariés et qui a réalisé sur l'année 2016 un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros en croissance comparé à 2015 de 30%. Donc nous sommes présents outre France, Allemagne, un peu partout en Europe et notamment aussi en Australie où l'autoconsommation est également un vrai sujet. Et nous intéressons à l'autoconsommation depuis quelques années, en fait depuis toujours, parce que les modules photovoltaïques ont depuis toujours servi à autoconsommer en fonction des conditions des sites. Et nous nous intéressons plus précisément depuis quelques années à stocker l'énergie pour la rendre disponible pour l'autoconsommation en différé. C'est-à-dire au moment où l'installation photovoltaïque ne produit plus. Donc votre offre, c'est production photovoltaïque plus batterie. C'est comme ça qu'est construite votre offre. Pour quel marché? Alors, pour l'instant, principalement pour le marché résidentiel. Donc on propose d'ailleurs le système complet avec les modules, avec tous les accessoires et les batteries. Et nous avons démarré il y a quelques années en Allemagne. Et en France, nous avons commencé par des sites pilotes depuis le début 2016 et nous commercialisons cette offre de batteries de stockage depuis Q4 2016 en France. Donc depuis 6 mois. Oui, à peu près, quelques mois, tout à fait. Alors, en deux mots, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Est-ce que vous voyez des différences entre la France et l'Allemagne sur l'amorçage de ce marché? Il y en a quelques-unes et peut-être pour vous situer un peu, déjà le marché de l'électricité en Allemagne est très différent de celui de la France. D'une part, en termes de nombre d'acteurs, il y en a beaucoup plus qu'en France. Le mécanisme du marché est différent aussi, qui en Allemagne est un marché de l'optimisation de la régularisation. Et en France, la France a fait le choix du mécanisme de la capacité. Et aussi, les tarifs sont différents. Les Allemands, aujourd'hui, payent leur kilowattheure acheté à environ 28,5 centimes. Et les tarifs de rachat, qui existent toujours en Allemagne depuis un certain temps, sont aujourd'hui de l'ordre de 12 centimes 70. Donc l'écart est tellement important que plus personne a vraiment intérêt de vendre son électricité produite, mais plutôt l'autoconsommer, et ça de façon vraiment maximisée. Comme quoi, je disais que la réglementation arrive, mais c'est quand même un sujet important. Alors, on est dans l'actualité, Richard Loyen, vous parliez de l'ordonnance tout à l'heure. Donc ça y est, elle est sortie, elle existe. Quelles avancées elle amène? Alors, l'ordonnance introduit plusieurs choses. Le premier, elle introduit le stockage en aval-compteur dans le code de l'énergie. On sait maintenant qu'on peut autoconsommer l'électricité produite au fil du soleil ou stockée dans une batterie pour être consommée plus tard. Ça apporte pas grand-chose, mais quand même que ça soit dans le code de l'énergie, c'est plutôt pas mal. Elle ouvre l'autoconsommation collective, partagée. Elle l'a définie, du coup? Comment? Elle l'a définie? Oui, elle l'a définie, en fait, le fait pour à l'aval d'un poste source. Donc là, je dirais tout ce qui est en aval d'un poste de distribution moyenne ou basse tension, peuvent participer à une opération d'autoconsommation collective. Donc avoir de multi-consommateurs avec un ou plusieurs producteurs dans la limite de 100 kW. Pourquoi pas avoir demain plusieurs sociétés de projet qui feront chacune 100 kW les unes à côté des autres, si on se dit que dans le quartier, on est plusieurs à vouloir autoconsommer et que 100 kg, ça ne suffit pas. Donc concrètement, ça va permettre de faire de l'autoconsommation dans le logement social, dans les copropriétés, sur les bâtiments publics, typiquement une école qui ne fonctionne pas l'été, où il y a le meilleur des productions, bah c'est les voisins qui vont pouvoir consommer l'électricité et l'acheter à un prix correct. Donc c'est vraiment, ça introduit une nouvelle économie du circuit court de l'électron vert, sans CO2, sans déchets. C'est l'énergie solaire de quartier. L'énergie solaire de proximité, tout à fait. Alors j'ai dit que l'ordonnance, ça y est, existait, mais on attend encore quelques textes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On a l'ordonnance, ça y est, elle a été ratifiée, publiée au journal officiel avec le texte de loi. On attend le décret d'application que l'administration est en train d'écrire et qu'on peut espérer avoir courant avril et dans tous les cas avant les prochaines élections. Donc là, c'est le décret d'application qui permettra d'appliquer concrètement l'autoconsommation collective, puisque jusqu'à présent, la loi ne suffit pas. On attend également, après, une fois qu'on aura le décret, on aura besoin du tarif d'usage du réseau public d'électricité, puisque quand on fait de l'autoconsommation partagée, on va utiliser le réseau public. Donc on va payer le TURP,
la taxe d'accès. Quelle contribution on fait pour entretenir le réseau? Voilà, ben, du coup, on saura si on paye 1, 2, 3, 4 centimes, 1,5 centime. Est-ce que ça sera le même quand on descend une colonne montante de 3 étages ou quand on fait le tour du village? Toutes ces discussions-là, la CRE devrait lancer sa consultation au mois d'avril et on peut penser que les choses seront connues sur juin, juillet, enfin, à cette échéance-là. Et in fine, il faudra également qu'on ait les documentations techniques de référence du gestionnaire de réseau de distribution qui soient publiées compte tenu du décret d'application notamment. Donc ça, on va fonctionner avec Enedis à partir de mai, je pense. Ça nous porte à septembre? Et globalement, oui. En septembre, on devrait avoir un cadre législatif, réglementaire et financier qui soit clair. Et donc, on pourra commencer à déployer véritablement les projets d'autoconsommation collective. Mais dès qu'on aura le signal prix, c'est-à-dire le montant du TURP dans le courant de l'été, on pourra déjà commencer à imaginer les projets qui sont faisables ou pas faisables à court terme. Donc là, on rentre vraiment dans l'opérationnel cette année, en 2017. Ah oui, c'est le début d'une nouvelle aventure formidable qui ne va pas finir de continuer. Au niveau européen, l'autoconsommation collective partagée, c'est à hauteur de 500 MWh, donc entre 400 et 500 kilos. Donc là, première étape en France, on s'est dit, nouveau terrain de jeu, c'est 100 kilos. Mais d'ici quelques années, on aura des générateurs qui seront plus grands. Donc c'est vraiment, ça va transformer la façon dont on produit l'électricité, dont on la partage à l'échelle des bureaux, à l'échelle de l'habitation, des centres commerciaux. On va voir fleurir des panneaux solaires un peu partout qui ne pèseront plus de CSPE. À chaque fois qu'on autoconsomme, on fait de l'économie d'électricité et on ne demande pas de soutien public pour ce faire. Je crois qu'on attendait aussi l'arrêté tarifaire qui définit les... Alors l'arrêté tarifaire, c'est un autre texte qui n'a du coup globalement rien à voir avec l'ordonnance, mais qui a son importance parce qu'il va... Donc, jusqu'à présent, on vit dans l'arrêté tarifaire de mars 2011, qu'on connaît avec des tarifs dégressifs tous les trimestres en fonction des demandes de raccordement. Voilà. Le nouveau, qu'on a déjà vu, qu'on attend d'un jour à l'autre, d'ici à quelques semaines, apporte plusieurs choses. Le premier élément, c'est qu'on ne va plus être obligé de faire de l'intégré bâti. On pourra poser les panneaux sur son toit, ce qui est une vraie innovation, notamment dans l'existant. Il introduit une deuxième chose, c'est l'exigence d'avoir un installateur RGE dans le domaine PV. Jusqu'à présent, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi et on a malheureusement suffisamment de Français qui ont été lésés, escroqués par des entrepreneurs du solaire qui n'en étaient pas. Donc, ça a détérioré l'image aussi en partie de la filière. Donc, enfin, il va falloir être qualifié pour que le client ait accès à l'aide d'État. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et l'autre innovation importante pour l'autoconsommation, justement, c'est que pour la première fois, il va y avoir un système qui va subventionner l'investissement pour l'autoconsommation. Et par contre, on aura une rémunération de sa vente de surplus qui sera relativement faible. Donc, quelque part, pour le résidentiel, ça revient, c'est pas un crédit d'impôt, mais c'est quasiment calibré comme ça. Une subvention à l'investissement, donc qui fait baisser le CAPEX, ce qui est investi par le particulier, qui va viser un maximum d'autoconsommation et une rémunération du surplus qui sera faible, mais qui est plus intéressante que de céder gratuitement ses électrons à Enedis. Vous nous l'avez dit, Sylvia Lamati, vous n'avez pas attendu d'avoir toutes ces données pour commencer déjà à proposer une offre dans l'autoconsommation, mais comment vous voyez venir, comment vous accueillez cette évolution réglementaire? Ça vous conforte, ça vous rassure? Ah oui, absolument. Je pense que c'est une excellente chose qui d'ailleurs matérialise aussi vraiment l'idée de la transition énergétique, parce que là on est vraiment dans une phase transitoire, on passe à autre chose. Et pour prêcher ma parole, le stockage va aussi apporter du sens dans les idées collectives, parce qu'une batterie va pouvoir fonctionner par exemple en heure de pointe et délester un peu les réseaux et de ce fait apporter un réel service à la communauté. Et enfin, avoir le cadre réglementaire qui va régler tous les nouveaux projets en autoconsommation est une excellente chose pour la France, je pense. Vous anticipez, parce que je crois que vous développez votre offre cette année sur le salon et courant d'année. Vous avez prévu de la faire évoluer? Oui. Tout à fait, parce que pour l'instant, on est vraiment focalisé sur le marché résidentiel. Mais chez SolarWatt, au sein de la R&D, on travaille déjà sur des nouveaux projets, sur des nouveaux produits qui nous permettront à l'avenir aussi d'adresser le marché tertiaire. Parce que je pense, sur les deux segments, il y aura
une grande évolution et une grande tendance vers l'autoconsommation. Donc, on a envie d'accompagner et être présent sur ces deux segments-là. Et concrètement, votre offre, comment vous la développez pour cette année? Qu'est-ce que vous prévoyez? Déjà, pour le début d'année, on va travailler sur notre commercialisation des produits en place. Et cette nouvelle offre qui est actuellement en cours de développement et où je ne peux pas encore trop dévoiler les détails sera présentée sur le salon Intersolar à Munich fin mai début juin. D'accord. Alors, Charles Loyer, vous avez évoqué la question via le RGE des difficultés qu'a pu avoir la filière avec l'éco-délinquance, avec ces faux professionnels du solaire. Voilà. Elle en a déjà pâti. Est-ce que ça peut freiner le développement de l'autoconsommation? Et dit autrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces problèmes et s'assurer de la qualité des installations? Alors, pour s'assurer de la qualité des installations, passer par un professionnel qualifié, demander 2 à 3 devis, plutôt que d'avoir de dire oui au premier vendeur qui passe, s'abstenir et se dire du coup je vais demander à l'installateur Cali PV de mon coin, pourquoi pas, il y a des offres de réseau national, etc. Mais sereinement comparer les offres. Est-ce que l'installateur va vous évaluer bien correctement votre consommation? Parce que ce qui change complètement, c'est qu'on va construire une installation en fonction des besoins. Et l'installation ne sera pas la même pour tout le monde. Et on va choisir la puissance de l'installation en fonction des besoins réels du client. Entre une maison qui est en tout électrique avec de la clim et une maison qui est chauffée au gaz, sans clim et avec juste un talon de consommation, vous n'avez pas du tout les mêmes besoins. Donc on revient vers des fondamentaux qu'on connaissait dans le solaire thermique. C'est une installation qui est adaptée aux besoins. Le cas échéant, avec du pilotage de la demande, parce que la batterie la moins chère, ça reste le ballon d'eau chaude. Donc, et puis pourquoi pas après la batterie? Oui, mais on va sizer les choses. Mais on va pouvoir également imaginer, proposer des offres qui vont s'adapter dans le temps. Je peux très bien choisir en 2017 de faire de l'autoconsommation au fil du soleil. Et puis d'ici 2 ans, le prix de l'électricité ayant augmenté, je me dis j'ai encore de la place sur mon toit, je vais remettre quelques panneaux et une batterie. Mais voilà, pour en revenir sur le problématique qualité, passer par un installateur qualifié, RGE dans le domaine PV, Cali PV ou Calibat PV ou Califelec, en interroger 2 ou 3 minima, comme ça vous pourrez voir ce qui est proposé par les uns et les autres. Et la grosse évolution qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va plus contrôler les installateurs. Il y a des contrôles qui sont renforcés et ceux qui ne sont pas qualifiés ne permettront pas d'accéder à leurs clients à l'aide publique. Donc typiquement, je pense qu'il restera des sociétés commerciales qui vont battre la campagne pour proposer à Mme Michu ou M. Gomez un système en autoconsommation. Mais s'ils ne sont pas qualifiés, il n'y a pas de prime à l'investissement. Donc c'est bien aujourd'hui que l'État ait compris qu'il fallait réguler le secteur. Et pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi, d'avoir des professionnels qualifiés qui sont par ailleurs plus contrôlés. Et quand ils sont pris à avoir mal travaillé, ils peuvent être suspendus ou radiés du dispositif si vraiment ils ont l'habitude de mal travailler. Et en tant que syndicat des professionnels de l'énergie solaire, qu'est-ce que vous proposez aux professionnels désireux justement de faire les choses sérieusement pour pas rater ce virage de consommation? Nous, directement, on produit des éléments d'information. Donc, on a fait un petit guide d'information version 1, plutôt sur le tertiaire industrie agriculture. On prépare la version 2 avec l'autoconsommation collective. Il y a Enerplan, préside Qualité Ener. Il y a Qualité Ener qui va sortir sa première formation en ligne dédiée à l'autoconsommation d'ici la fin du mois de mars. Donc pour tous les installateurs Cali PV d'aujourd'hui, ils auront 5 heures en ligne à passer, ils auront en passant un examen à la fin en ligne et en ayant le cas échéant leur petit diplôme, mais pour appréhender, prendre toutes les connaissances complémentaires par rapport à ce qu'ils connaissent du photovoltaïque, sachant que le photovoltaïque d'avant l'autoconsommation, c'était un photovoltaïque simple. Regardez la taille du toit, son orientation, et en fonction de l'ensoleillement du site, on pouvait dire vous allez produire tant. Donc une formation en ligne dédiée à l'autoconsommation photovoltaïque qu'on peut retrouver sur quel site? Qu'on retrouvera, qui sera proposé par Qualité ENR à tous ces Qualité PV, aux espaces information énergie qui sont des prescripteurs du service public. Donc voilà, on augmente la compétence de chacun du milieu professionnel pour être à même de faire de la bonne prescription, bien évaluer les besoins, connaître toute la problématique réglementaire du stockage, la norme de stockage, etc. Là, il y a un gros effort de monter en compétence de la filière, mais je pense qu'il y a une grande appétence des acteurs de la filière à monter en compétence.
Alors, Sylvia Lamathie, justement, pour conclure, il y a une appétence des acteurs de la filière, vous nous le montrez. Vous nous avez dit que vous avez développé des installations pilotes sur le territoire. Oui. Quel bilan vous en tirez de l'appétence des Français, des consommateurs pour l'autoconsommation? Déjà, juste pour emboîter aussi un peu le pas, on adhère parfaitement à tout ce que vient de dire Richard sur le travail qualitatif que doivent faire nos installateurs. Et d'ailleurs, on les forme aussi, nous, sur nos nouveaux produits de stockage pour proposer à nos clients finaux vraiment le système configuré de façon optimale. Et notre dizaine d'installations pilotes que nous avons mis en place début 2016 en France nous a aidé à comprendre le comportement de notre équipement sur le territoire français. Il y en a un peu partout sur la France, sous différentes conditions, avec des besoins différents, des petits consommateurs, des grands consommateurs, où on efface qu'une partie des besoins. Mais c'était riche d'enseignements pour nous. Aujourd'hui, on sait que notre système fonctionne à merveille. Les clients sont très contents. Ils peuvent atteindre des taux d'autoconsommation entre 50 et 80% en fonction des configurations et emplacements des installations. Et de façon générale, ils sont tous très contents de notre système. Donc, c'est très positif. Très bien, ça sera une belle conclusion. Merci beaucoup. Il va me manquer de temps de vous demander de vous projeter à 2017, 2018, 2020, mais on se reverra pour en discuter et voir cette montée en puissance. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous. Merci à vous. Alors, pour ceux que ça intéresse, on recontinue avec un plateau pour trois quarts d'heure dédié à l'autoconsommation. Je vois tes...